Salut mes loulous, salut mes poulets, je suis content de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite vidéo qui sera pas très très longue, mais pour vous montrer la chance que j'ai, parce que j'ai une chance quand même qui est assez inouïe, de faire du beau poisson juste au bout de mon jardin. Voilà, regardez, je vous montre, c'est juste là. J'ai à peine 40 mètres à faire, donc c'est vraiment la chance d'habiter à la campagne. C'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour aller pêcher. Moi j'ai quand même une grosse chance. Allez, c'est parti, on va au bout du jardin. Allez, à de suite au bord de l'eau. Bon allez, c'est parti, on y va. Bon ben là j'ai déjà fait la moitié de la route, hein. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pas loin, c'est vraiment que du bonheur. Bon voilà, on est arrivé. Voilà, un petit canal. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a vraiment très très peu d'eau. Tout à l'heure il y en avait un peu plus. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'un gros pépère passe et puis on va voir. Oh ben il y en a un beau là déjà, je sais pas si vous le voyez. Bon ben là j'étais pas prêt là, je l'avais pas vu celui-là. Allez, on va essayer au leurre de surface. Il y en a un gros là qui passe. Hop. Il a pris. Génial, du premier coup. Ouais, il est beau. Ouf. Oh là là. C'est bon. Ah, il a pris direct. Ah, du coup j'ai fait un tour au moulinet là. Hop. Il est parti dans les branches là-bas. Ah, il est beau, c'est vraiment un beau poisson. Bah, ça va pas durer longtemps. Hein. Ouf. Super. Hop. Ah, c'est vraiment un gros chevin. On va essayer de pas tomber à l'eau, ça serait quand même dommage. Ah, il est vraiment gros. Allez, pépère. Yes. Ouf. Voilà, c'est vraiment un super poisson, hein. Vraiment un gros fish, ouais, ça doit faire 50, hein. Ça doit faire vraiment pas loin de 50. Mais voilà, premier poisson qui passe. Au bout du jardin, tranquille, magnifique, super. On prend la photo et on va le remettre à l'eau. C'est vraiment un beau fish, quoi. Allez. Hop. Hop là. Hop là, ça y est, reparti comme une flèche. Mais voilà, ben tout est pour tout, ça a duré une minute. Voilà, le bonheur d'avoir un petit ruisseau au bout du jardin, avec du beau poisson qui passe dedans, c'est le top. Bon là, je suis descendu un peu plus loin, bon on n'est pas bien loin. Hein. Voilà, je suis descendu 20 mètres plus bas, la maison est juste derrière les arbres là-bas. Voilà, il y a une petite fosse, alors vous n'allez pas voir grand chose, mais par contre il y a du gros poisson, il y a vraiment du gros poisson. Ah, il y a du très très gros poisson, mais alors le problème c'est que c'est plein d'herbes. Ah, il y en a 5 ou 6 qui promènent là-bas au bout. Je vais peut-être essayer de m'avancer un petit peu, en étant quand même discret. Ah, ils sont deux. Généralement qu'ils sont. Oh, ils sont trois. Wow, bon, c'est que des bœufs. On va essayer de mieux jeter. Oh, il leur a fait peur. Ils ont eu peur. Ils ont effrayé tout le banc. Il n'y avait que des gros poissons. C'est un truc de dingue. Ils sont tous partis.
Oh, ils m'ont levé une poussière, ils ont levé de la vase de partout. Là, il n'y a rien qui suit. C'est ouf quand ils s'en foutent comme ça. T'en vas pas, non, je... Oh, ça y est! Oh, ça y est, il a pris. Ouf, cette attaque de fou. Il a fallu vraiment y faire tomber, y faire claquer devant la gueule. Yes. Yes, 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 yes. Ah, tu es coquin, hein? Hop, il a vu l'épuisette, il est pas content. Hop, 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 hop. Il piquait juste au bout du bec. Yes. Hop là. Yes, yes, yes. Ah, encore un gros chevenne. C'est bon ça. Il est bien piqué. Ah ben il s'est décroché. C'est pas magnifique ça. Voilà, un beau chevenne. Il est peut-être un poil plus petit que l'autre. Mais ça reste vraiment un beau poisson. Voilà. Il n'a pas pris les deux premières fois. Et en faisant claquer après, il a fini par prendre. Génial. Yes. Allez, pépère. Hop là. Yes. C'est bon, ça. Bon, on va changer un petit peu de spot quand même. Parce que là, dans le petit ruisseau, forcément, on alerte vite la meute entière. Non, bon, j'ai réussi à en faire deux, c'est déjà pas mal. C'était pas mal, en plus, c'était des beaux poissons. Alors là, on va prendre la voiture, je vais longer la grande roubine, je vais aller faire deux petits spots là-bas, pour histoire de faire encore, essayer de faire encore un ou deux poissons. On va voir. Allez, on se retrouve au bord de l'eau. Bon, voilà, là, on arrive quand même sur un spot qui est très, très bénéfique pour le chevenne. Bon, malheureusement, comme beaucoup de bons spots, ben, c'est un peu encombré, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai déjà fait pas mal de poissons hein, dans plusieurs vidéos sur ce spot. Là, j'ai vu quelques chevennes passer, pas très très gros. Bon, le problème, c'est qu'il faut pouvoir envoyer le leurre. C'est bien le problème. C'est un peu compliqué. Hop, oh, un gros qui est monté. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris, il n'a pas pris, il n'a pas pris. Hop, ça monte encore. Ah, ça refuse tout le temps. Putain. Ah, il tourne autour, mais il ne prend pas. Ça y est. Il a pris. Eh ben, ça a été long. Hein. Yes, 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 yes. Ouf, ouais, un très gros poisson. Ouf, ouais, il est beau. Hein. Ah, je décroche. Non. Ah, je le décroche maintenant. Non, en plus je m'accroche dans l'arbre. Ah, j'y crois pas. Ah ben là, j'ai pourri le spot. Ah, il a fait le tour. Ah ben là. Bon, ben là, c'est carotte, les gars. Désolé, mais... Hop là. Bon, j'ai pas cassé. J'ai perdu juste le leurre. C'est déjà bien. Bon, ben là, dommage, parce qu'il était beau, mais... Ben là, le spot, il est cramé. Bon, mes loulous, mes poulets, cette vidéo se termine. Cette petite vidéo se termine. Bon, ben, c'était pas la vidéo de la décennie, je veux bien vous l'accorder, mais bon, c'était sympa. C'est sympa. J'avais envie de vous montrer ça, là, le petit ruisseau derrière chez moi, blindé de gros chevennes. Bon, ça dépend l'époque de l'année, hein. Il n'y a pas toujours des gros chevennes là. Ça dépend l'époque, mais bon, c'est sympa. Voilà, ça fait passer le temps, qu'on s'ennuie un peu. Voilà, on parle à cadre, paf, paf. Un petit insecte, un petit leurre de surface, et puis voilà, c'est plié, c'est cool. Bon, ben voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo,
Le problème, il est que bon, on en fait deux, et puis bon, le spot est tellement pas gros que c'est vite fait on a vite fait de bousiller le spot avec la méfiance de ces petits chucheux ou ces gros. Voilà, bon, mais écoutez, prenez soin de vous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bye bye.